Salut tout le monde! Aujourd'hui, petit changement de décor comme vous pouvez le voir, puisque ça va être une vidéo un peu spéciale, ça va être une vidéo vlog, donc c'est la première vidéo vlog qu'il y aura sur cette chaîne. Voilà, donc alors qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Alors tout simplement, je voulais vous faire un petit point sur la chaîne et le blog pour les prochaines semaines à venir, puisqu'il va y avoir un petit peu de changement. Donc sans entrer dans les détails de ma vie, etc., je voulais vous mettre au courant qu'il allait y avoir donc quelques modifications de planning dans les prochaines semaines et peut-être les prochains mois à venir. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je suis en plein déménagement, voilà, on va dire ce qu'il y en est. Je déménage donc début avril et donc je vais quitter cet endroit charmant, ou pas d'ailleurs, pour un nouveau petit nid douillet. Et donc je vais être très occupée déjà dans les cartons, entre le déménagement, l'emménagement, etc. Vous comprenez que les vidéos ça va être un peu moins prioritaire et que je vais pas pouvoir faire une vidéo chaque semaine comme je peux le faire en général à l'accoutumée. Alors j'espère que cette vidéo va pas être trop fouillie. Donc en fait ce que je voulais vous dire c'est que donc comme je vais faire un changement de domicile, du coup je vais sûrement ne pas avoir internet pendant quelques semaines, voire le mois entier d'août, n'importe quoi, d'avril. Et donc ça va être compliqué de poster des vidéos. Alors je vais essayer de préfilmer des vidéos jusqu'à la fin du mois de mars et pouvoir comme ça je pourrais alimenter un petit peu la chaîne, etc. Mais je ne vous promets pas de pouvoir mettre une vidéo régulièrement quoi. Donc il y aura sûrement pas trop de vidéos en avril, j'essaierai d'en mettre au moins une, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas du tout puisque voilà, entre le déménagement plus le fait que j'aurai pas internet, ça va être compliqué de pouvoir mettre en ligne les vidéos. Voilà, donc après je pense que je reprendrai le rythme des vidéos au fur et à mesure, donc c'est-à-dire au mois de mai. À savoir une vidéo toutes les deux semaines je pense, puisque je vais être encore en plein emménagement, etc. Je vais avoir des travaux à faire, donc ce ne sera pas ma priorité de filmer, et du coup je filmerai quand je pourrai, voilà, tout simplement. Au niveau du blog, donc celles qui suivent le blog, il y aura aussi quelques changements, puisque là je suis sur une routine, on va dire, de 5 articles par semaine, plus la vidéo donc. Donc il n'y aura plus la vidéo dans un premier temps, puisque comme je vous dis, je ne pourrai pas filmer. Et donc il y aura toujours des articles écrits, mais il n'y en aura pas autant. Je vais réduire, donc je vais passer de 5 articles par semaine à environ 2 ou 3 articles, c'est au grand maximum, puisque je n'aurai pas le temps concrètement de faire des revues comme je le faisais. Déjà, je vais avoir un budget plus limité, puisque j'ai pas mal de frais. Par rapport à mon déménagement, et du coup je vais acheter aussi moins de produits, donc j'aurai moins de tests à vous faire sur les achats que je peux vous faire d'habitude. Donc voilà, il y aura donc toujours les articles habituels, je pense que je vais garder, donc le maquillage de la semaine, le vernis de la semaine, toujours des articles un petit peu découvertes, mais il n'y aura plus trop de revues sur des produits de beauté. Voilà, je vais continuer d'acheter des produits de beauté, mais ce sera vraiment à une fréquence beaucoup moins importante que ce que je pouvais faire auparavant, puisque voilà, ça coûte cher et mon argent je le mets ailleurs pour l'instant. Donc voilà en ce qui en est pour le blog. Voilà, j'espère pouvoir me tenir vraiment à cette cadence de 2-3 articles par semaine. Donc ça va durer, je pense, pareil, un mois, deux mois, je sais pas encore, ça va dépendre de mon temps et de mon inspiration, on va dire, pour pouvoir vous mettre de nouveaux articles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport au blog? Donc par rapport à internet, même en général, je resterai quand même joignable, c'est-à-dire que je regarderai les messages, les vidéos, etc. régulièrement, puisque j'ai accès à internet sur mon lieu de travail en pause, donc je consulterai le midi, etc. Je prendrai un petit peu de temps pour voir vos commentaires, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci, je reste joignable, voilà. Juste, voilà, je ne pourrais pas te poster de vidéo comme je veux, comme je le fais habituellement. Voilà, je pensais que c'était important quand même de vous prévenir, puisque je ne veux pas vous laisser non plus du jour au lendemain sans plus aucune vidéo comme ça, et que vous ne compreniez pas pourquoi, ce qui se passe. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu. Sinon,
Après le déménagement, donc il y aura de nouveaux décors, etc. Je tenais également à préciser qu'il n'y aura pas de vidéo type room tour ou de choses comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je reste assez vague, on va dire, sur ma vie privée. Ça reste vraiment une chaîne beauté, centrée sur la beauté. Donc il y aura peut-être éventuellement un rangement make-up quand je serai organisée, ce qui n'est pas tout de suite. Mais il n'y aura pas de vidéo de ce type, genre home tour ou des choses comme ça. Donc voilà. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est filmer quelques vidéos dans ce décor-là, on va dire, pour pouvoir vous les montrer et les mettre en ligne jusqu'à ce que je n'ai plus internet. Et après, donc, bah voilà, je vous tiendrai au courant, je pense, sur le blog de quand j'aurai internet, quand je pourrai refilmer. Voilà. Donc, je vais être très occupée. Et voilà, je voulais vous mettre au courant. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'avenir du blog ou de la chaîne, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. En tout cas, c'est pas du tout un arrêt ou c'est pas un ralentissement vers un arrêt définitif de la chaîne ou du blog. C'est pas du tout dans les projets pour l'instant. Voilà, juste, je vais être occupée et donc je vais moins de temps à consacrer à YouTube et au blog. Voilà. Donc, j'espère pouvoir vous revoir très bientôt et puis j'espère que ça ne va pas trop vous déranger cette absence. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui me suivent chaque jour, ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui commentent également le blog, qui le font vivre. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!